Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et on est le 1er décembre et donc maintenant je peux vous parler de mon projet mystère, secret que j'ai avec Emma de la chaîne Emma US Life. C'est un swap calendrier de Noël. Donc je sais pas quel moment du premier elle va la diffuser, si ça sera avant moi ou après moi. Donc déjà j'ouvre. En même temps, je vous explique comme ça. Et donc, tous les jours, on va vous faire une petite vidéo avec les cadeaux. Comme un vrai calendrier de l'Avent. On aurait pu faire l'option de tout ouvrir d'un coup. Mais on s'est dit que ça serait plus fun de vous faire plein de vidéos calendrier de l'Avent. Donc là, voilà. Kaima, t'as pas blagué avec le scotch. Hein. Disons. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Et elle ne sait pas ce que je lui ai mis dedans. Oh là là, c'est chargé. C'est un beau collier à mon avis. Hein. Ouf, elle a pas blagué. Bon. Ça sent les cosmétiques, ça sent bon. Donc il y a du papier de soie. Moi, elle a pas de papier de soie, hein. Je dis tout de suite, c'est parce que j'ai fait Tetris là-dedans. Donc pas besoin. Ouh là là, c'est joli. Donc il y a un petit mot. Ah, j'ai perdu un post-it. Bon, j'ai perdu le post-it du numéro 5. Il est resté collé dessus, à moins que ça soit celui-là. Je sais pas. Bon, je vais bien voir. Donc, déjà, le petit mot. Waouh, tout à fait, bah, ça fait Noël, quoi. C'est tout à fait ça. Donc, alors, elle met un petit mot, donc je vais le garder pour moi, parce que quand même, c'est, je pense que c'est perso. Je le lirai après. Je vais chercher le numéro 1. Parce qu'on est le 1. Le 2. Ouh, cool, elle m'a mis des petits mots. Bon, il y a eu des petits. Il y a des post-it qui se sont fait la malle. Emma, je vais faire en espérant respecter les numéros. Mais bon, je vais mettre de côté. Donc ça c'est le. Ah non, c'est pas le 2, c'est le 21. Le 18. Ah. Bon ben. Alors, je sais pas si celui-là c'est le bon. Emma, tu me pardonneras si je me suis trompée de. Ah non, je pense que ça c'est pas le bon parce que il est bien accroché dedans. Bon, ça va être un petit peu du petit bonheur la chance. J'espère ne pas trop faire de bêtises dans l'ouverture, mais alors je pense que ça va avec ça. Bon, toi, t'as mis de très jolis post-it, hein, c'est très mignon. Mais ils n'ont pas décidé de t'aider. Hein. Je vais prendre un paquet. Bah, le post-it est parti. Et, parce que je pense que ça, c'est pas le 1. Pour avoir bonne mine. Et l'autre, des doigts de fée. Et ils me disent que c'est le 9. On va prendre lui. Donc, c'est une jolie petite boîte rose en espèce de bambou. Alors ça sent tout sent bon parce que je pense qu'il y a des choses qui sentent pour le bain ou la douche. Donc je vous montre. Petite boîte, j'adore. Alors pour vous situer dans le temps de la journée, on est le soir, donc je suis en pyjama. Je ne me suis pas encore démaquillée, mais ça ne serait tardé. Alors c'est act facto. Donc je vous montre. J'adore. Bon, il y a deux petits scotch. Je vais pas faire ma bourrine, je vais enlever les petits scotch. Waouh, j'adore. Des petites boucles d'oreilles, des créoles. Et j'adore. Alors elles sont dorées et vous avez comme une petite chaînette qui est collée sur l'anneau, qui à la base est tout simple, mais ça fait le petit détail. Et je vais retirer ce que j'ai sur moi pour vous les montrer porter. Je vais les mettre dans la boîte. Alors, en tout cas, moi... J'aime beaucoup. Et ça, c'est le genre de boucle d'oreille que pour le travail, ça me gêne pas trop de porter parce que elles sont pas trop longues. Bon, moi, je suis une... Alors... Attendez, je vais demander à mon mari s'il peut me les ouvrir. Parce que moi, j'y arrive pas. Ah, ça y est, j'ai réussi. Une. En tout cas...
Je trouve que c'est la bonne taille. Voilà. Déjà une. Ah. Bon, la première, j'y suis arrivée très facilement. Bon, je vais pas insister, je le ferai un petit peu plus tard pour pas les casser. Mais en tout cas, regardez-moi, je trouve qu'elles me vont à merveille. J'aime beaucoup. Bon, bah là, ça fait le premier cadeau d'ouvert. Je vous dis à tous à demain soir. Parce que je pense que je vais essayer de le faire le soir. C'est plus simple parce que les matins, c'est un peu compliqué. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Laissez-moi plein de pouces bleus et plein de commentaires. Bisous, bye bye. Emma, je t'en dis mille merci. Ton colis est super joli. J'espère que mon colis te plaira tout autant. Bye bye.